Nous allons parler des informations concernant les trackers, la configuration des trackers simples aux trackers complexes. Ensuite, comment les pratiques cliniques peuvent affecter la conception des programmes trackers. Les objectifs de cette section, c'est de voir les niveaux de complexité des programmes trackers. Ensuite, de parler des considérations relatives au choix de la complexité de l'implémentation tracker. Aussi, dans le troisième volet, de voir les e-registres. Qu'est-ce qu'un e-registre? Ensuite, qu'est-ce que l'implémentation d'un e-registre peut-il impliquer? Et en particulier, dans le cadre de l'aide à la prise des décisions cliniques. Maintenant, concernant la complexité des programmes trackers, il faut savoir qu'il y a un défi quand il s'agit de passer du papier à l'écran. Donc, il faudrait voir et penser à l'interaction des utilisateurs à l'aide des règles de programme qui sont dans les programmes trackers. Cela passe aussi par la correction des saisies des données que l'utilisateur fait. Et aussi, ça concerne le volet aide à la décision clinique. Donc, nous allons voir ces différents sous-thèmes-là au cours de la présentation. Il y a également le volet messagerie client par SMS qui est beaucoup appliqué à ce volet tracker, et ce qui fait son charme et sa spécificité aussi. Et à travers ces messages-là, il y a des messages ciblés aux clients par SMS qui peuvent être configurés pour que les clients puissent les recevoir et en guise de rappel par rapport à tel ou tel programme ou bien par rapport à tel rendez-vous. Il y a aussi le volet tableau de bord des rétroactions qui est pris en compte et qui peut être utilisé par unité d'organisation, aussi par utilisateur sur la base des données de l'utilisateur, d'un utilisateur spécifique. Donc, il y a aussi les volets complexité par rapport à la couverture, c'est-à-dire le passage à l'échelle d'un programme tracker conçu au niveau d'un pays, et aussi les volets de la saisie des données Android ou bien les choix du volet web, c'est-à-dire à travers les laptops ou les deux à la fois. Maintenant, par rapport à la catégorisation des implémentations du tracker, concernant le volet couverture, il s'agira de, pour vous, quand vous voulez mettre en place votre programme tracker, de voir votre point de départ et aussi votre point d'arrivée. Donc, savoir est-ce que au début, qu'est-ce que je dois faire au tout début de mon tracker et quel est l'objectif final que je dois atteindre par rapport à tel ou tel programme. Aussi, la complexité, le volet complexité peut porter sur la configuration du tracker, c'est-à-dire le passage du papier à l'écran. Et ça donne une complexité dans la fonctionnalité. Par exemple, les volets, il y a des combinaisons de catégories d'éléments de données, des tableaux de bord, des retours d'informations, des interactions avec les règles des utilisateurs et les règles des programmes. Toutes ces configurations sont tellement complexes qu'il faut prioriser souvent aussi les choses et ne pas vouloir aller avec les trackers dans tous les programmes ensemble. Donc, par exemple, ici, il y a les volets prise en charge VIH, et puis les volets santé maternelle, et puis les volets tuberculose. Donc, c'est à vous de prioriser les différents programmes que vous voulez mettre en place parce que c'est très complexe. Maintenant, je vais entrer un peu en détail par rapport aux principales considérations. Sur le volet passage à l'échelle, il faut savoir que les trackers atteignent tous les niveaux d'une organisation, ce qui augmente considérablement le nombre d'utilisateurs, des dispositifs et d'exigences en matière de support. Donc, cela se traduit parfaitement aussi par le coût élevé souvent de cette implémentation à travers l'achat des appareils, à travers l'organisation des formations et aussi l'assistance qui a lieu d'apporter aux utilisateurs eux-mêmes, aux agents qui font la maintenance du système. Donc, dans ce sens, il faudrait envisager une complexité réduite du fait que si vous n'avez pas la possibilité de réunir tous les fonds nécessaires à un moment, puisqu'il faut former et assister un si grand nombre d'utilisateurs et assurer la maintenance du système, il faudrait prioriser pour que les lancements du travail soient faits et que ça ne soit pas bloqué.
Maintenant, le volet Android VS web, versus le web, il faut savoir que l'Android facilite l'utilisation en hors ligne du tracker, ce qui est adapté à nos contextes chez nous en Afrique, ici où beaucoup de zones n'ont pas une couverture réseau, mais cela peut, il peut s'avérer difficile compte tenu du nombre d'appareils aussi, du nombre de compétences techniques des utilisateurs et la quantité de données collectées à gérer au niveau du serveur. Maintenant, le volet saisie des données en temps réel versus la saisie secondaire, il faut savoir que la collecte des données en temps réel offre des possibilités d'aide à la décision et de validation des données en orientant les agents de santé dans la saisie des données et les processus cliniques. Donc ça, c'est vraiment très important. Maintenant, pourquoi choisir la saisie des données secondaires? Cette saisie des données secondaires est souvent choisie par le fait de la mauvaise connectivité ou bien une mauvaise fourniture d'électricité si l'électricité n'est pas présente à tout moment au niveau d'une structure. Donc, cela amène les acteurs à faire des saisies des données à un stade ultérieur. Par exemple, au niveau du système national de suivi de la santé maternelle au Bangladesh, eux, ils ont opté pour la saisie en différé parce qu'à leur niveau, il n'y a pas la couverture au niveau de tous les pays. Cette saisie secondaire aussi est choisie parce que souvent, il peut y avoir un temps d'arrêt lié à la non-fiabilité du système, ça peut arriver. Donc, entre-temps, le travail ne peut pas s'arrêter. Donc, il faut obligatoirement que la relevé, la collecte de l'information continue et qu'une fois que tout entre dans l'ordre, on continue à les saisir dans le système électronique. OK. Aussi, du fait souvent du coût réduit du budget qui est à la disposition des acteurs, donc, et du fait que le nombre d'appareils et de travailleurs à former est important, donc il faudrait choisir de réduire ces nombres pour pouvoir lancer les systèmes, surtout par rapport à la mise en place dans un petit échelle. Donc, c'est des informations qui peuvent nous aider pour choisir la saisie des données secondaires. OK. Souvent aussi, nous ne saisissons qu'un sous-ensemble des données ou des registres papier dans les trackers et cela a donc encore besoin de certaines données dans les papiers. Nous avons besoin toujours de certaines données dans les papiers, surtout au début, avant que le système ne soit bien rodé. Pendant la phase de transition aussi du papier à l'électronique, il est très important, et c'est là parce que ça se trouvera que tous les acteurs ne sont pas bien formés, et même s'ils ont été formés, ils n'ont pas maîtrisé tout, ils n'ont pas tous les acquis à leur niveau pour pouvoir s'en sortir. Donc, pendant cette phase-là, il est important de ne pas vouloir partir directement à la saisie électronique complète. Il faut passer et jubiler les dieux, faire la saisie de l'information, ensuite passer à la saisie sur ordinateur ou tablette. OK. Donc, à ce niveau aussi, le fait que les systèmes n'utilisent que des établissements, des rapports et aucune aide à la décision nécessaire souvent, si les informations recueillies ne comportent que des données et qui ne sont pas liées à la prise de décision, donc il est mieux de partir à la saisie secondaire des données. Aussi, ça permet le fait que quand le processus de travail est bien soutenu et que vous avez un flux important des clients sur le site du travail, c'est vrai que même si vous choisissez de partir avec la saisie en direct, vous serez obligé de revenir dedans pour mettre les informations concernant votre rendez-vous. Donc ça aussi, c'est l'importance de la saisie secondaire. Donc, c'est toujours dans la même lancée par rapport à la gestion des SMS et autres au niveau des agents de santé. Donc, même si la saisie est faite en direct, donc vous êtes obligé de revenir dans les systèmes pour gérer certains petits détails par rapport aux SMS que vous allez envoyer aux utilisateurs ou bien aux clients. Il existe deux types de saisie secondaire des données. Maintenant, qui la réalise? Premièrement, il y a des données qui peuvent être saisies par les mêmes agents de santé du papier à l'électronique. Ensuite,
Il y a une deuxième option qui est la saisie des données par un agent différent de l'agent de santé, d'un agent de santé différent du papier à l'électronique. Maintenant, pourquoi choisir une saisie secondaire des données effectuée par un autre agent de santé? Il y a dans certains pays des commis dédiés à la saisie, c'est-à-dire des secrétaires de saisie, réduisant la charge liée à la saisie des données pour les agents de santé qualifiés. On voit souvent ces cas de figure avec les programmes du VIH ou dans les centres de prise en charge dédiés au VIH, il y a des agents de santé qui sont là, qui remplissent les registres et qui font la prestation des services. Mais quand il s'agira de gérer les données, ce sont des agents formés, mais qui ne sont pas toujours des agents de santé qui viennent faire la saisie de l'information pour qu'il n'y ait pas de retard par rapport à la disponibilité des données. L'agent technique de santé clinique ne dispose pas souvent des technologies suffisantes pour effectuer la saisie des données. Donc, cela peut se traduire souvent au niveau communautaire quand on opte pour aller vers les agents de santé communautaire ou certains agents de ces agences sont choisis mais qui n'ont pas des compétences technologiques suffisantes pour effectuer la saisie des données. Aussi, le nombre de patients et de flux de travail peut être important et les faibles compétences technologiques de l'agent de santé rendent difficile la saisie des données en temps réel, donc ce qui peut faciliter le choix de cette option. Il faut noter que certaines personnes peuvent perdre leur emploi si les mêmes agents de santé effectuent la saisie des données. Donc ça a été remarqué dans certains pays comme le Ghana à cause de la contractualisation et aussi à cause de l'organisation du travail. Donc il devient très encombrant pour celui qui le fait. Donc il n'arrive pas à s'en sortir avec les deux options, c'est-à-dire faire son travail et puis faire la saisie des données. Et qu'il n'y a pas eu d'autres alternatives qui lui soient proposées par la suite. Maintenant, les défis liés à la saisie secondaire des données par différents agents de santé. Donc, il y a des problèmes d'erreur qui peuvent se produire, en ce sens que souvent, quand celui qui fait la prestation au niveau sur les registres ou bien sur les cahiers, écrit mal. Donc, si celui qui doit venir faire la saisie n'arrive pas à lire, il peut se glisser des erreurs. Il y a aussi le fait que certains agents qui ne sont pas agents de santé, eux qui sont impliqués dans la saisie des données, ne maîtrisant pas certains termes techniques, ça peut leur poser des soucis par rapport à la compréhension, même s'ils ont été formés sur l'outil électronique. Il faudrait un accompagnement très sérieux pour qu'ils puissent comprendre ces termes techniques. Aussi, il peut s'avérer que l'agent n'est pas assez compétent pour reconnaître les erreurs. Donc, tout ça entraîne des défis supplémentaires de formation et d'accompagnement. Un autre volet, les agents de santé ne s'approprient pas les systèmes et ne font pas confiance aux rapports générés par les commis de la saisie des données. Ça aussi, c'est des cas de figure qui arrivent souvent. Donc, quand les prestataires de services, c'est-à-dire les professionnels du domaine, font leur travail, maintenant par rapport au rapportage, quand les gens qui font ces rapportages ne sont pas du domaine, souvent il y a un problème de confiance qui se pose, mais c'est géré au fil du temps avec les différents acteurs. Maintenant, quelles sont les mesures d'atténuation possibles par rapport à ça? C'est de créer des ensembles d'options pour réduire les erreurs de saisie des données. Aussi, prendre en compte les volets formation pour mieux comprendre les données cliniques que ces agents saisissent. Aussi, il faudrait mettre en place un système de validation robuste pour que des erreurs ne se glissent pas dans les informations. Et aussi, il faut passer par un processus de révision des données par un personnel qualifié avant la soumission finale des données. Donc, cela permettra de diminuer beaucoup les erreurs qui vont se glisser quand on va se mettre à analyser les informations. Maintenant, les volets saisie des données en temps réel au point de service. Pour opter vers la saisie réelle en temps réel,
la saisie des données en temps réel, il faudrait s'assurer que tout fonctionne correctement dans les domaines de l'alimentation en électricité. Il faut que vous ayez une fourniture en électricité qui soit fiable. Aussi, il faudrait que la connexion soit au rendez-vous à tout moment. Et aussi, il faut voir le volet coût par rapport aux appareils, que les appareils soient disponibles pour tous les utilisateurs que vous avez prévus. Également, il faut avoir un nombre d'utilisateurs important pour que la saisie des données se fasse vraiment en temps réel et qu'il n'y ait pas de retard dans les rapportages de l'information. Aussi, prendre en compte les volets formation, que la disponibilité des fonds soit là pour que les gens puissent être formés et qu'il n'y ait pas de brèche dans les processus. Donc, ensuite, il faut qu'il y ait une augmentation globale de la capacité d'appui, c'est-à-dire la capacité d'appui des agents au niveau district, au niveau intermédiaire, au niveau régional et au niveau central. Il faut que l'appui soit là à tout moment. S'il y a des problèmes, que ces problèmes soient résolus de façon simultanée, qu'il y ait une équipe mise en place au niveau central qui puisse répondre de façon correcte aux sollicitations des agents du niveau opérationnel. Maintenant, pourquoi choisir la saisie des données en temps réel au point de service? Car cela fournit une interaction avec l'utilisateur. Ça aide aussi la décision clinique, c'est-à-dire quand les règles du programme sont mises dedans avec les différentes notifications. Donc, avec ces règles-là, l'utilisateur peut se rendre compte rapidement qu'il y a certains problèmes qui peuvent interagir rapidement pour corriger sa démarche clinique. Il y a le fait que les règles de programme aussi guident la saisie des données afin de réduire les erreurs de celles-ci. Donc, ça favorise aussi la prise en compte du volet validation des données au niveau des points de saisie. Et il y a des actions basées sur les informations cliniques aussi saisies. Cela passe par la génération des risques pour la santé, ensuite l'orientation des clients vers les prochains niveaux de soins. Aussi, il y a des actions recommandées pour la prise en charge du patient et la génération d'SMS ciblés aux personnes, c'est-à-dire, par exemple, quand on est dans les programmes vaccination, si des mamans doivent venir pour leur rendez-vous, donc on peut configurer à l'intérieur du système des SMS qui peuvent leur être envoyés, même si elles ne comprennent pas, mais la personne qui peut les aider à lire ces messages-là, à travers leur numéro de téléphone, les SMS peuvent leur être ciblés. Maintenant, je vais aborder les derniers gros points qui concernent les volets e-registre et aide à la décision clinique. En commençant d'abord par la question fondamentale, qu'est-ce que les e-registres, c'est quoi les e-registres? Il faut savoir que les e-registres, c'est comme les registres papier adaptés à l'électronique pour faire la saisie électronique des données, les préférences au lieu des soins pendant la consultation. Et c'est basé aussi sur les données brutes. Par exemple, ça gère les données brutes, par exemple la température au lieu de dire fièvre. Donc, dans un format longitudinal, ça permet de faire un suivi, le suivi d'une entité de suivi est spécifiquement identifiée pour un domaine de santé spécifique, notamment dans les domaines de la grossesse, du suivi de la grossesse, de la santé de l'enfant, de la vaccination du VIH. La liste n'est pas exhaustive ici. Également, il y a des interventions de santé numérique avec les e-registres axées sur les données du client, par exemple, à l'aide à la décision, la communication avec les clients à travers les volets SMS. Il y a les tableaux de bord pour les feedbacks avec les acteurs. Par rapport à l'aide à la décision clinique, l'approche, voici quelques principales caractéristiques de l'approche du e-registre. Il faut savoir que le e-registre vous permet de faire la recherche des dossiers au niveau national, lors au cours des audits journaliers, par exemple. Vous pouvez ouvrir votre e-registre pour voir telle ou telle donnée vient de telle partie, quelle est la part des structures publiques, quelle est la part des structures privées.
Donc, c'est plus rapide que de fouetter rapidement dans les données ou bien dans les registres papier. Donc, le travail est plus facile avec le volet électronique. Donc, il y a également la possibilité de gestion des risques et informations et clés liées à l'âge gestationnel qui peuvent être prises en compte ici très rapidement. Il y a également le volet validation des données de saisie, aussi la saisie des données brutes pour la génération, pour générer les risques et les prises en charge et les références. Donc, également, il y a la possibilité de programmer les prochaines visites à travers le e-registre et aussi l'automatisation des SMS, par exemple, dans le domaine des rendez-vous pour la visite des CPN. Donc, ce volet est toujours complexe, comme je l'ai dit en haut. Cette complexité peut se traduire au niveau des tableaux de bord, car il faudrait choisir certains indicateurs clés pour pouvoir les afficher et que ça soit utilisable par les utilisateurs à tout moment. Donc, ces indicateurs sont générés en général par les règles des programmes à travers les différents éléments qui sont créés dans les systèmes de saisie des données personnelles pour que, par la suite aussi, ces informations puissent être prises en compte comme des données agrégées. Voilà, donc voici un exemple qui est affiché ici avec les données concernant l'anémie et leur pourcentage. Donc, ces tableaux de bord peuvent être générés, mais tout ce qui se cache derrière, c'est un peu complexe. Maintenant, comment développer un tel programme et déterminer le flux de travail et de saisie des données? Donc, il faudrait examiner les données de toutes les sources, c'est-à-dire les cahiers, par exemple, les cahiers de mouvement des agents de vaccination sur le terrain, des registres de tous les cadres pertinents des agents de santé. Ensuite, il faut se poser certaines questions. Comment enregistre-t-il les nouveaux clients au niveau de leur support papier? Également, comment retrouve-t-il les clients existants et les ajoute-t-il à leur dossier? Également, il faut se demander où enregistre-t-il les données et dans quel ordre. Dans ce cadre, et cela se passe aussi par la recherche des carnets, des notes et autres enregistrements informels personnalisés, par exemple, des notes dans les marges des registres que les agents peuvent mettre parce qu'ils jugent nécessaire que cela peut les aider après. Donc, quand on veut passer à l'électronisation, il faudrait vraiment voir tous ces petits détails-là pour pouvoir avoir une vue claire sur ce que vous voulez adopter. Ensuite, il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Quels sont les champs que les utilisateurs ignorent, que les prestataires ignorent dans leur registre? Vous pouvez éliminer ces points de données souvent. Aussi, vous pouvez vous demander dans quel champ mettent-ils les données factibles et cela peut être un indice pour fournir un équipement ou une formation leur permettant de mesurer ces points de données. Sinon, vous les éliminez simplement. Aussi, vous pouvez vous poser certaines questions. Si vous pouvez abandonner complètement les papiers, est-ce qu'en allant vers ces systèmes-là, vous allez abandonner complètement les papiers? Ou bien est-ce que vous allez saisir toutes les informations nécessaires? Donc, en ce moment, est-ce que davantage d'informations de type dossier médical électronique peuvent-elles intervenir? Donc, ce sont ce genre de questions qui peuvent vous permettre de mettre en place un système robuste. Donc, en ce sens, vous devrez peut-être concevoir un formulaire papier plus simple pour saisir les données cliniques non nécessaires au tracker, parce qu'il faut savoir que le tracker ne prend pas en compte tout et le tracker n'a pas vocation à remplacer le dossier électronique médical. Voici un exemple de registre de relevé d'informations, de registre de suivi de la grossesse qui est issu d'un registre du Ghana. Voilà, donc ce sont ces types d'informations. Il n'y a pas quelques grandes choses qu'on change en général. Ce sont les mêmes informations sur les registres qui sont utilisés sur le terrain qu'on transforme en volet électronique pour renseignement. Ensuite, vous devez déterminer les flux de travail clinique. Dans ce sens, vous examinez les directives cliniques. Il faut que vous examinez les directives cliniques, les mettre à niveau avec les normes mondiales si possible.
Donc, ça vous permettra vraiment de bien travailler là-dessus. Et observez aussi souvent un agent de santé avec un patient, même s'il y a des agents de santé qui sont dedans. Donc, il faudrait que vous reveniez observer l'agent de santé avec un patient et demander à un agent de santé de vous traiter comme patient en guise de simulation, par exemple. Aussi, quelle partie des directives cliniques suivent-ils? Ce qu'ils ne respectent pas en raison d'un manque d'équipement ou de formation. Donc, c'est peut-être l'occasion d'y remédier en ce moment. Et quand orientent-ils les patients vers d'autres services, vers d'autres structures? Voilà. Donc, ce sont des considérations de la sorte qui vous permettront vraiment de vous enquérir, même si vous n'êtes pas agent de santé et que vous êtes IT. Ça vous permettra de vous mettre dans les bains et de comprendre comment le travail se passe sur le terrain pour pouvoir configurer correctement dans les trackers. Maintenant, vous pouvez vous poser des questions aussi. Quel intérêt pour moi? Les considérations relatives à l'utilisateur, que l'utilisateur peut se poser. En général, personne n'aime les changements. Et on commence généralement par conserver les papiers tout en ajoutant l'électronique à cause de la charge de la saisie des données. Au tout début, il se peut qu'il y ait beaucoup de travail. Donc, il faut que l'utilisateur sache cela, mais vous allez leur faire comprendre que c'est par la suite que quand vous allez maîtriser et qu'il y aura passage de certains volets du tracker vers les domaines agrégés, le travail va se diminuer. Petit à petit pour eux. Il y a aussi le fait des doutes chez les utilisateurs peut venir de l'obligation d'apprendre de nouvelles technologies, de nouveaux processus de travail et d'autres choses. Donc ça peut entraîner des craintes chez eux qu'il faudrait rassurer. Maintenant, comment pouvez-vous motiver les utilisateurs à travers les différents points que je viens de voir? Les utilisateurs de la saisie des données peuvent obtenir des rapports et ils devraient les faire. Donc, comme je l'ai expliqué dans la diapo précédente, vous devrez les rassurer que c'est dans le cadre du rapportage et que la maîtrise de ces volets de tracker va leur faciliter la tâche une fois que le système sera rodé. Ensuite, bon, c'est toujours ça, la réduction de la charge de travail pour les rapportages. Et par rapport à la validation des données, vous pouvez leur expliquer aussi que ça peut entraîner une amélioration de la qualité des données, surtout quand ils sont impliqués dans les rencontres de validation des données, telles que les réunions mensuelles de validation de l'information les concernant au niveau district ou bien au niveau régional. Donc, ça peut les motiver vraiment à partir de ces systèmes. Aussi, il ne faut pas qu'ils pensent seulement au rapport destiné aux donateurs et à la partie nationale. Il faudrait leur faire comprendre que les données qu'ils produisent les appartiennent à eux d'abord avant les niveaux région ou bien les niveaux central. Donc, les prestataires au niveau opérationnel, eux, ils sont les vrais propriétaires de leurs données avant que d'autres ne les utilisent. S'ils se mettent dans cette posture, ça va marcher. Aussi, il faut concevoir des rapports pertinents pour les processus des établissements et des agents de santé individuels. Donc, par exemple, envisager d'ajouter la prise de rendez-vous pour aider les agents de santé à établir des listes de travail. Donc, ça, c'est des options aussi à explorer. Maintenant, il y a le processus de soutenance de soutenir le processus de travail, c'est-à-dire la gestion des rendez-vous. Cela passe par la planification efficiente des rendez-vous et aussi l'envoi des rappels de rendez-vous aux clients et aussi la génération d'une liste devant recevoir les soins et enfin le suivi des clients ayant manqué un rendez-vous. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été long. Voici ce que je voulais partager avec vous. S'il y a des questions que vous avez à m'adresser, vous pouvez les poser dans Slack. Et comme Agnew l'avait signalé au début, il y a l'expérience de la mise en place du e-registre au Mali que la Direction générale de la santé à travers le docteur Ouassa va nous présenter. Merci beaucoup.
Docteur Ouassa, vous avez la parole si vous êtes là. OK, d'accord. Donc, vous me donnez la main, je vais essayer de partager mon écran. Agnou, tu peux donner la main à Ouassa. C'est bien ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. OK. 5 sur 5. OK. Merci. Merci, chers académiciens. Merci pour vraiment les différentes présentations et les réponses aux différentes questions. Je suis le docteur Berthe Ouassa. Je suis le chef de la section système d'information sanitaire à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique du Mali. Alors, j'ai l'insigne honneur de partager avec vous l'expérience du Mali en matière de mise en œuvre de e-Régis, c'est-à-dire du registre électronique à travers le DHS2. Et avant tout, j'aimerais remercier mes compagnons directs de la DGS HP au niveau de l'unité ou de la section système d'information sanitaire, comme l'a toujours fait l'équipe de HISP que nous remercions ici. Alors, je vais parler ici de M. Oumar Guindo, informaticien. Alors, Mme Traoré, Aoué Sissé, gestionnaire des données, M. Nuhu Waigalo, informaticien, M. Ibrahim Massa Koulibaly, informaticien, et M. Djibril Kanouté, chargé également de la gestion des données, et sans oublier l'équipe de HISP Bureau Mali, alors à travers le docteur Ismaël Dambélé, que nous remercions ici à travers les différentes présentations qui sont passées les jours précédents. Et je remercie également son compagnon, le docteur Abdoulaye Maïga, et toute l'équipe de HISP au niveau du bureau central, au niveau du siège à Lomé, et les salutations vont remonter jusqu'au niveau de l'Université d'Oslo. Merci, chers académiciens. Expérience du Mali dans la mise en œuvre du registre électronique. Et cette présentation rentre dans le cadre logique des précédentes présentations, c'est-à-dire l'expérience du Mali de façon générale sur le développement du tracker dans le domaine de la santé. Et vous l'avez vu à travers la dernière présentation de Ismaël l'autre jour, que le Mali a développé le tracker depuis 2016, depuis l'avènement du DHSD dans notre pays. Et nous l'avons fait dans plusieurs domaines. Mais ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est que la présentation du registre électronique pour le Mali va être axée sur les registres électroniques pour le suivi de la grossesse et le suivi de la vaccination de l'enfant. Et notre présentation va s'articuler autour des points suivants. Dans un premier temps, nous aurons une introduction suivie des objectifs de la mise en œuvre du tracker, du registre électronique, disons. Ensuite viendra la méthodologie que nous avons adoptée pour développer ces registres électroniques. Et nous allons vous parler un peu de quelques résultats obtenus et ensuite les principaux défis à relever alors, pour le moment. Et nous vous parlerons de l'évolution du processus en un mot, en fait, les perspectives. Et nous terminerons par une conclusion. Voilà. En guise d'introduction, il faut dire que depuis 2017, face à la complexité et à la multiplicité des supports dans les structures de santé, la Direction nationale de la santé, l'actuelle Direction générale de la santé et de l'hygiène publique,
En collaboration avec l'ISAID à travers son projet Measure Evaluation, qui est l'un des acteurs principaux de l'implémentation du DHSD au Mali, a mis en place une expérience pilote sur l'utilisation du registre électronique à travers le DHSD. Compte tenu du volume des activités et l'aspect longitudinal des services de consultation prénatale et de vaccination de l'enfant dans les paquets minimums d'activités au niveau opérationnel, le choix des registres consultation prénatale, c'est-à-dire suivi de la grossesse et la vaccination de l'enfant, a été fait pour expérimenter l'approche. C'est dans ce contexte que le Mali a commencé en 2017 l'expérimentation des registres électroniques consultation prénatale, c'est-à-dire suivi de la grossesse, et vaccination de l'enfant dans deux formations sanitaires. Et les objectifs de la mise en œuvre de ces registres électroniques étaient les suivants, parce qu'on l'a dit dans les présentations précédentes, pour développer le tracker, il faut se fixer des objectifs. Il faut savoir ce que vous voulez alors à la fin de la mise en place du tracker. Et les objectifs de l'implémentation des deux registres électroniques étaient les suivants. C'était d'abord pour alléger la charge de travail des agents en charge du système d'information sanitaire, c'est-à-dire les prestataires, ceux qui sont chargés de gérer les données, etc., etc. Et aussi, un autre objectif, c'était de gérer la problématique de l'archivage des rapports d'activité en support copie dure et générer automatiquement les rapports d'activité. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'en fin de compte, qu'on remplisse, on développe le registre électronique, on remplit le registre électronique, copie dure, copie électronique, et ensuite on va remplir à la fin d'une période un rapport mensuel d'activité. Vous voyez? Donc, un des objectifs, c'est de générer automatiquement les rapports d'activité. Un autre objectif, c'est d'améliorer les indicateurs de couverture et de la qualité des services. Améliorer la qualité des données, ça c'est évident. Et asseoir un système d'alerte par SMS pour rappeler les rendez-vous, ce que Dr. Souleymane Samake vient d'expliquer dans sa présentation. Et ensuite, rendre disponibles des supports primaires électroniques de collecte des données. Ça, c'est très important. C'est-à-dire à tout moment qu'on voudra le registre copie dure. Alors, pendant une période, il suffit d'exploiter, il suffit d'imprimer ce que le registre électronique a produit. Et vous avez un registre copie dure dans vos mains. Et le dernier objectif, c'est de faciliter la recherche active des perdus de vue, surtout en matière de consultation prénatale ou bien en matière de vaccination de l'enfant, qui sont tous des entités à suivre. Alors, la méthodologie adoptée pour la mise en place pour le développement des registres électroniques, CPN et vaccination de l'enfant, c'est d'abord la mise en œuvre de la phase pilote. Et cette phase pilote a duré un an dans les deux formations sanitaires, c'est-à-dire de juillet 2017 à juin 2018, avec toutes les activités de la phase pilote, à savoir l'état des lieux jusqu'à la formation, jusqu'à l'achat des équipements, la formation des agents, etc. Et ensuite, après la mise en œuvre de la phase pilote, bien sûr qu'il y a eu le paramétrage qui était basé sur les outils utilisés sur le terrain, c'est-à-dire le registre de consultation prénatale et les registres de vaccination. Alors, donc, la CPN, pour le registre électronique suivi de la grossesse, il s'agit de suivre le suivi de la grossesse jusqu'après accouchement, jusque dans la période postnatale. Et il y a une fiche au niveau des structures de santé qu'on appelle fiche de suivi de grossesse, qui contient toutes les informations qui existent dans le registre et même plus d'informations que le registre de consultation prénatale. Donc, cette fiche a été paramétrée. Concernant le registre électronique de vaccination de l'enfant, alors tous les antigènes du programme élargi de vaccination ont été paramétrés, c'est-à-dire, en un mot, le calendrier vaccinal de l'enfant, cible du PEP, c'est-à-dire les enfants
de 0 à 11 mois, alors tout ce calendrier vaccinal a été paramétré. Et ensuite, le paramétrage a été fait, bien sûr, sur le module tracker, parce qu'il y a la notion de suivi, évidemment, et à travers le formulaire suivi de grossesse et le formulaire vaccination de l'enfant. Il y a eu également la formation des agents, la dotation en tablette, ces structures-là, ces agents, disons, avec puce et forfait Internet offerts pour la saisie des données. Nous remercions ici alors, l'ex-projet mesure et évaluation de l'USAID, alors, qui nous a beaucoup aidé pour l'implémentation du THS dans notre pays. Et c'est eux aussi qui nous ont aidé, en tout cas, à mettre en place alors, ces deux registres électroniques. Il y a eu des visites de suivi massiel sur le terrain et l'assistance à distance réalisée pour appuyer l'initiative. Voilà. Il y a quelques résultats obtenus que vous voyez ici pour la mise en, dans la mise en œuvre du registre électronique. Et il y a eu la disponibilité de l'information à temps réel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire au niveau des CSCOM, au niveau des districts sanitaires, au niveau des directions régionales de la santé et au niveau national dès que la saisie est effective. Il y a eu l'amélioration de la complétude et surtout de la promptitude des données. Il y a eu l'aide à la décision, ça c'est surtout au moment de la saisie. Il y a l'aide à la décision par les prestataires pour la prise en charge des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et en période postnatale. Par exemple, l'âge de la grossesse et la date probable d'accouchement sont paramétrés. C'est-à-dire le système vous donne, quand vous faites toute la saisie, le système vous donne déjà la date probable d'accouchement, alors qui est donnée généralement lors des séances d'échographie et autres, ou bien avec le calcul avec les règles de les gestes, comment on appelle ça, les gestogrammes, ou bien comment on dit ça, les outils qu'on utilise là pour calculer la période, la date probable d'accouchement à travers la date des dernières règles. Hein? Non, ce n'est pas le partogramme, c'est un truc rond là, alors qui se trouve avec les obstétriciens. Voilà. Donc, vous voyez, donc le système vous fait ce travail. Et effectivement, on a vérifié. Alors, toutes les femmes qui ont été suivies à travers le registre électronique là, et très souvent, la date probable d'accouchement que le système donnait, voilà les gestogrammes, la date probable d'accouchement que le système donnait. Alors, très souvent, les femmes accouchaient dans ces périodes-là. C'est pour dire que ce que le système donne, alors, c'est un truc, c'est des résultats fiables. Il y a eu aussi l'amélioration de l'archivage, surtout la problématique de conservation des dossiers des clients, alors, sur plusieurs années. Bon, là, on ne peut pas surtout directement prendre la décision, sinon le but final, là, c'est peut-être abandonner un jour les copies dures des supports primaires et même secondaires. Voilà. Il y a eu également l'amélioration de la recherche active des patients et la réduction des pertes de vue. Voilà. Donc ici, on va vous parler un peu de quelques avantages du registre électronique. Le docteur Samaké Suleiman a déjà parlé de beaucoup d'avantages alors du développement du registre électronique. Ici, il faut savoir que le registre électronique permet la diminution de la charge de travail des prestataires, ça c'est évident. Et le registre électronique aussi permet l'amélioration de la fiabilité de l'information sanitaire, c'est-à-dire une seule source de données au lieu de plusieurs sources de données, comme on le voit avec les copies du. Mais avec le registre électronique, il n'y a qu'une seule source de données. Si vous avez besoin de données agrégées, la seule source, c'est le registre électronique. Si vous avez besoin, alors, de suivre les entités ou les clients ou les clients, alors, c'est le registre électronique.
Autre avantage, c'est la facilité d'analyse des données, c'est-à-dire la visualisation par l'échelon supérieur à temps réel de l'information saisie par le niveau inférieur. Il y a la notion de feedback qui est là. Il y a des feedbacks qui sont faits au cours de la saisie, effectivement. Et il y a la prise de décisions rapides et appropriées, c'est-à-dire la disponibilité des données à temps réel. La possibilité de la saisie en offline, ça aussi c'est un avantage pour qui connaît le problème de connexion, qui est un grand défi dans nos pays. Alors donc, la possibilité de saisir en offline sur des tablettes, ça c'est un grand avantage. Donc il suffira de quelques minutes de connexion pour synchroniser beaucoup de données avec le serveur en un laps de temps. Il y a la génération automatique aussi des indicateurs dans le rapport mensuel d'activité. Vous voyez, donc au lieu de remplir manuellement un rapport mensuel d'activité, quand vous avez les registres électroniques, il y a une possibilité alors de transférer alors les données du registre électronique pendant une période donnée, alors en tout cas dans le format de rapport mensuel d'activité, et vous avez votre RMA au lieu de le remplir alors manuellement. Il y a aussi la possibilité de générer certains indicateurs qui n'étaient pas disponibles avec les données agrégées. Je vais parler par exemple de l'indicateur, le nombre ou la proportion d'enfants complètement vaccinés. Je vous avoue que c'est possible de générer cet indicateur avec les registres électroniques vaccination de l'enfant, mais cet indicateur, sa production a toujours posé problème quand il s'agit seulement alors des données agrégées ici, des rapports mensuels d'activité. Alors, quelques défis. Nous avons principalement deux défis ici. Alors, c'est l'utilisation simultanée du registre papier et du registre électronique. Vous avez bien compris, alors, ce processus-là, à travers la présentation du Dr Samake. Alors, est-ce qu'il faut abandonner tout de suite, alors, les registres copies dures, ou pour ne pas dire les supports copies dures, au profit de l'électronique, pour la mise en œuvre, en tout cas, tous les défis qui sont autour, toutes les difficultés qui sont autour aussi du développement du registre électronique, notamment les problèmes de connexion, etc., tout ce qui a été développé par le Dr Samake. Là, c'est un grand défi. La décision n'est pas du tout facile à prendre. Sinon, le but final, c'est ça. Mais est-ce qu'il faut le faire au début de la mise en œuvre du registre électronique? Nous disons que non. Donc, c'est pour cette raison que le Mali a opté pour les deux options, c'est-à-dire la saisie secondaire des données. C'est-à-dire les prestataires remplissent d'abord, bien sûr, vous avez vu que nous avons commencé en juillet 2017, donc il fallait saisir les données de janvier jusqu'en 2017, ça c'est vraiment des données historiques. Et en même temps, il fallait aussi réaliser les séances de CPR ou les séances de vaccination, et maintenant avec les copies dures, venir saisir les données des copies dures dans l'électronique parce que nous sommes en phase pilote. On s'est dit qu'il faut aller avec les deux. C'est vrai, ça a finalement emmerdé les prestataires tellement qu'ils étaient rodés au remplissage du registre électronique. Il nous disait clandestinement, c'est-à-dire à côté, « Ah, chef, est-ce qu'on ne peut pas finalement prendre la décision de laisser tomber les copies dures ?» On a dit, « Hey, laissez ça d'abord, prenez votre courage, ça va venir pour le moment, allons-y avec les deux. » Donc, c'est une décision qui ne doit pas être faite par nous seulement. Donc, nous avons notre hiérarchie, donc on va les apporter l'information. Ça veut dire que les prestataires de ces structures pilotes s'étaient déjà bien appropriés en droit de l'outil électronique. Autre défi, le deuxième grand défi, c'est quoi? C'est l'envoi de l'alerte SMS pour les rendez-vous. Peut-être on va nous demander pourquoi. Alors, ça a pris du retard. Bon, vous avez compris que quand on avait voulu mettre ça en place, on a été confronté à un problème d'opérateur de téléphonie mobile. Il y en a trois chez nous. Mais on a été confronté à un coût très élevé et entre-temps, on a voulu faire la mise à échelle ou bien développer ce système d'alerte SMS ou bien la messagerie par la messagerie vocale en langue officielle ou en langue locale. Mais on a été buté compte tenu vraiment des problèmes sociopolitiques qui sont survenus après, l'avènement de COVID-19, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais c'est dans nos perspectives et alors nous allons tout faire pour que ça soit réalisé
pour vraiment améliorer la qualité des prestations et la qualité des données. Alors, ici, c'est des images d'illustration. Voici une sage-femme d'une formation sanitaire, d'une de nos formations sanitaires pilotes, qui est en pleine séance de saisie, alors de saisie des données dans le registre électronique suivi de la grossesse, par exemple. Vous voyez, la fiche que vous voyez ici à gauche et en bas, ça, c'est la fiche de suivi de grossesse qui contient beaucoup d'informations, pratiquement toutes les informations relatives à la cliente qui est venue pour le suivi de sa grossesse. Et voici la tablette, elle est en train de saisir en offline sur la tablette que alors, le projet a mis à notre disposition. Alors, le projet a mis à notre disposition pour vraiment la phase pilote de ce registre électronique. Donc ça, c'est encore une image, une capture d'écran pour illustrer la saisie des données du registre électronique suivi de la grossesse. Toujours suivi de la grossesse dans la formation sanitaire pilote de Sanangoroba. Et ici, c'est la saisie des données dans le registre électronique vaccination. Et voilà. Et ceci dit que, alors, dans les perspectives, c'est-à-dire l'évolution du processus, donc entre 2019 et 2020, nous avons voulu procéder, nous avons procédé à l'extension alors du registre électronique ou bien des registres électroniques vaccination de l'enfant et suivi de la grossesse dans toutes les autres formations sanitaires alors du district pilote. Voilà, et ce district a 22 formations sanitaires et les 22 formations sanitaires, on a pu étendre les registres électroniques alors dans toutes les formations sanitaires alors de ce district pilote-là. Ça, c'est entre 2019 et 2020. En 2021, il y a eu la mise en place d'une feuille de route budgétisée alors, pour couvrir 3 régions sanitaires. Donc, nous avons l'engagement de certains partenaires pour nous aider à étendre le registre électronique dans tous les districts sanitaires de la région sanitaire de Bamako et 2 autres régions de l'intérieur, c'est-à-dire Koulikoro et Kai. Nous avons déjà vraiment la promesse, ou en tout cas, le dossier est en bonne voie pour étendre les registres électroniques dans ces 3 régions sanitaires, en plus du district pilote. Et il y a aussi la mise à échelle du registre communautaire. Comme on a présenté, on a dit dans les présentations précédentes, on voit le registre électronique est en train d'être développé au niveau communautaire, surtout sera utilisé et sera rempli par les agents de santé communautaire. Nous sommes en phase pilote de ces registres ou bien de ces registres électroniques communautaires. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que alors, la stratégie du registre électronique a été une stratégie porteuse alors, pour améliorer le suivi, pour améliorer le suivi des femmes enceintes et le suivi de la vaccination en droit des enfants. Et ces registres électroniques aussi, l'approche aussi permet la diminution de la charge de travail alors, du personnel, ça c'est des avantages. Et ça permet aussi la génération automatique de rapports. Ça aussi, vraiment, c'est des avantages. Mais il faut dire qu'il y a un besoin d'améliorer les performances des registres électroniques à travers, en tout cas, alors, l'alerte par SMS ou l'alerte par messagerie vocale pour vraiment alors, bien suivre pour le respect des rendez-vous et surtout pour diminuer les pertes de vie. Il y a également la nécessité de prendre la décision de suppression des copies dures pour une mise à échelle optimale des registres électroniques. Mais je disais tantôt que c'est une décision qui est pratiquement difficile à prendre. Donc, vraiment, voici à travers ces quelques diapositives que nous avons bien voulu vraiment partager l'expérience du Mali en matière de mise en œuvre du registre électronique, si vous voulez, des registres. Alors, vraiment, c'est sur ce mot que je vous remercie et vraiment à bientôt. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser, les mettre dans le Slack. Nous allons les récupérer là-bas pour tenter de les répondre. Je suis avec mon équipe. Alors, tout ce que j'ai cité, avec HISP aussi. Donc,
c'est un travail commun, c'est un travail d'équipe. Donc, tout le monde est habilité à répondre à des questions, aux différentes questions qui seront posées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Ouassa, pour cette belle présentation que nous avons savourée. Et avec tout, merci beaucoup à toute l'équipe du CIS Bamako, du côté de Bamako et à l'équipe ISP au niveau de Bamako. Et je pense que c'est ça un des objectifs de cette académie, c'est-à-dire le partage des cas réels, d'expériences des différents pays pour que les échanges puissent continuer même au-delà de cette académie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a certaines questions qui ont été posées dans Slack. Je vais essayer de venir dedans pour voir. Voilà, il y a, par exemple, il y a Nassam qui avait posé une question concernant la différence entre registre électronique et puis dossier électronique médical. J'avais apporté une réponse là-dessus, mais je vais lire ça. C'est que le tracker est en général focalisé sur un programme spécifique et le dossier électronique, médical électronique, prend en compte beaucoup plus d'aspects en compte. Et c'est en réalité l'équivalent du dossier médical d'un patient qui prend les patients dans sa globalité par rapport à beaucoup de pathologies, à toutes les pathologies qu'il peut avoir. Donc, c'est différent du tracker. Donc, ensuite, il y avait une question posée par Nassam, s'il y a un pays qui utilise l'envoi des SMS à travers les trackers pour le programme VIH. Donc, il y a Agno qui a donné une réponse à ça. Il dit que cela est possible, mais pas forcément pour le VIH, pour COVID, par exemple, pour la surveillance des maladies, etc. Donc, c'est compliqué avec les DHS. Tout ce qui est important, c'est la contractualisation avec l'opérateur téléphonique. Donc, comme Dr. Ouassa vient de le dire au cours de sa présentation, donc, quand on fait la contractualisation avec l'opérateur téléphonique, c'est en ce moment que ça peut bien marcher et que les gens puissent avoir leur SMS au niveau de leur portable. Donc, mais comme ça engendre des coûts supplémentaires, souvent les gens laissent de côté la configuration, c'est-à-dire entre les DHS et l'opérateur électronique. Donc, les techniciens, informaticiens font ça rapidement. Ensuite, il y a une question de Lucien Abadiel. Il dit qu'il veut savoir si le e-registre est effectif dans toutes les formations sanitaires périphériques du Mali. Ça, c'est une question adressée à Dr. Ouassa et l'équipe CIS. Si oui, le e-registre remplace-t-il les registres de consultation classiques? OK. Donc, je peux aller, non? Oui, allez-y. Je vais tenter de donner des éléments de réponse. Le reste de l'équipe est là. Ils pourront ajouter des choses à ce que je vais dire. Alors, le e-registre n'est pas effectif dans toutes les formations sanitaires du Mali. Je vous disais que dans l'évolution du processus, nous avons procédé à l'extension des deux registres électroniques à toutes les formations sanitaires du district pilote. Donc, on est allé au départ avec deux formations sanitaires. Aujourd'hui, on est à 22 formations sanitaires d'un district sanitaire, du district sanitaire pilote. Donc, les autres régions sanitaires et leurs districts du reste du pays, je l'ai dit dans la présentation, donc il est prévu, dans un avenir proche, dans quelques semaines ou dans quelques mois, de procéder à l'extension des deux registres électroniques à trois régions sanitaires, y compris les districts de Bamako, c'est-à-dire les districts sanitaires de la ville de Bamako, plus les districts sanitaires des deux autres régions de l'intérieur. Si on ajoute à la région sanitaire de Bamako, ça va faire trois. Donc, au Mali, il n'y a que les formations sanitaires d'un seul district sanitaire qui sont couvertes par le registre électronique. Et pour le moment, le registre électronique ne remplace pas les copies dures, c'est-à-dire les supports, les registres de vaccination ou bien les registres de consultation prénatale ou bien les fiches de suivi de grossesse. Il y a les autres membres de l'équipe, s'ils ont des choses à ajouter à ce que moi je viens de dire. OK, merci Dr. Ouassa pour ces éclaircissements. Il y avait aussi
Nda Kwasi qui avait posé une question concernant les rappels SMS du tracker. Il arrive que les SMS de rappel de rendez-vous, par exemple, ne parviennent pas souvent, ne parviennent qu'à un seul patient. Donc, j'avais donné des réponses à ça aussi, mais je vais les reprendre. C'est que cela, en général, peut être dû à la configuration qui peut être résolue avec l'opérateur téléphonique. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours une collaboration à établir avec l'opérateur téléphonique. Donc, ça peut être géré à ce niveau. Il y avait voilà. Antoine Itoaus. Oui. Allez-y. C'est pourquoi nous avons cité alors, la mise en œuvre de l'alerte par SMS comme défi, parce qu'on n'a pas encore réussi à avoir vraiment un consensus ou bien les moyens avec les compagnies de communication, les sociétés de téléphonie mobile pour cela. Donc, c'est un défi pour nous. Et je pense que si on parvient à le faire, ça va améliorer vraiment le registre électronique. Merci. Merci beaucoup. Et surtout pour les rappels, pour les rendez-vous et puis pour pouvoir planifier les suivis. Exactement. Des gens exactement. Qui font l'abandon de la vaccination. Oui, 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 exactement. C'est ça. Donc, il y a Antoine Itoa du Congo qui a posé une question. Quelle est la périodicité de la saisie pour les électro-registres, Dr Ouassa? Dans les structures pilotes, il n'y avait pas de périodicité fixe. On pouvait saisir immédiatement, c'est-à-dire le même jour où l'activité a été réalisée. Et souvent même, la première formation sanitaire dans laquelle nous avons développé le registre, la première formation sanitaire pilote, c'est-à-dire à Sanankoroba, et ils étaient arrivés à un niveau où ils faisaient la saisie directement quand même. Ils prenaient, comme on n'a pas décidé d'abandonner les copies dures, alors ils remplissaient aussi les copies dures. Mais le même jour de la séance de vaccination ou bien de, comment vous appelez ça, de consultation prénatale, on fait la saisie le même jour. Donc, il y a certaines structures alors, qui attendaient la fin de la semaine pour regrouper les fiches de suivi de grossesse et saisie. Donc, vous voyez, ça dépendait de chaque formation sanitaire. On les a donné alors, la latitude, s'ils peuvent saisir le même jour ou au même moment. Donc, tant mieux. Voilà un peu ce que je peux dire comme réponse à cette question. OK, merci. Et il y a Khaled aussi, toujours Congo, qui avait posé. Bon, est-ce que c'est Khaled, c'est une question ou bien c'est une confirmation? Tu peux prendre la parole pour répondre directement. Merci, Souleymane. En fait, je voulais juste expliquer à Antoine que, en réalité, suivant les explications du docteur, c'est que le E-Registre se saisit de façon continue aussitôt le patient arrive. Avec le temps, on peut le faire en électronique, comme après le départ du patient, on peut remplir le formulaire électronique après avoir rempli le formulaire manuel. C'était juste une contribution. Okay, oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça. OK. Il y a Arsène Tchangou qui avait posé une question aussi, question à Dr Ouassa. Combien d'enfants et femmes ont été ciblés dans la zone pilote? Bon. Comment? Ah, OK. Ouassa, tu me donnes la permission d'aller, tu peux me compléter? Je crois qu'Ismaël avait déjà répondu à cette question. Ah, d'accord. Oui. OK, bon, je vais lire. Ismaël avait dit oui, il n'y a pas eu de valeur cible pour les femmes et enfants, mais tous les enfants et femmes de l'aire de santé concernés étaient pris en compte. Voilà. Oui, ma question, c'est de savoir, toutes ces femmes et enfants pris en compte, ils sont au nombre de combien? C'est la taille de la population que j'aimerais savoir. Ah, OK. Donc, je pense que globalement, c'est on peut remettre la parole à Ismaël, s'il a des choses à dire sur ça, avec votre permission. Oui, allez-y, Ismaël. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ah, OK, voilà, je voulais répondre à sa deuxième question. C'est que les aires de santé n'ont pas les mêmes densités en matière de population. Et dans les deux formations sanitaires, on peut les citer, Sanankoroba ou Kangaba.
et c'était des aires de santé entre 15 000 habitants et 20 000 habitants. Donc, en fonction des valeurs attendues concernant les enfants et le nombre de grossesses attendues, donc on ne peut pas mesurer coûte que coûte le nombre réel qui était là. Mais c'était des aires de santé vraiment avec une densité de population très élevée. Parce qu'on a voulu prendre une aire de santé dense pour qu'au fur et à mesure que nous avançons, que nous ne pouvons pas être butés à des problèmes en matière de fréquence de collecte des informations. Voilà. Ce que je peux ajouter à ça, il faut comprendre aussi que le taux de CPN 1, c'est-à-dire les femmes qui s'inscrivent à la première visite de CPN, n'atteint pas 100% chez nous d'abord. Hein. Donc, ça tourne dans l'ordre de 4, entre 80 et 90%. Donc, quand on prend la population totale et qu'on tire là-dedans la population cible de la CPN, et en ce moment-là, il faut prendre 80 à 90% de cette cible-là pour dire que c'est eux qui ont bénéficié en droit pour le moment des effets en droit du registre électronique, de l'expérience du registre électronique. Voilà. OK. Merci, Dr. Wassa. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, il y avait une avant-dernière question que Wadia avait posée. Avez-vous une expérience de saisie offline? Si oui, cela se fait comment? Bon, il y a Ismaël qui a donné déjà une réponse à ça, et puis Waigalo aussi dans les Slack. Il y a aussi Noé Yegula, qui est bon. Il dit merci, Wassa, pour cette présentation du Mali. Et je voudrais avoir plus de détails sur les inconvénients, comme cela a été fait pour les avantages. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats chiffrés en termes d'amélioration de la qualité des données depuis le démarrage du projet, c'est-à-dire la complétude, promptitude et cohérence des données? Quelle a été l'astuce pour la motivation des prestataires? OK. Bon, il y a les autres membres de l'équipe, s'ils peuvent... Sinon, on avait des résultats chiffrés. Hein. Ce qui est clair, ça a augmenté la fréquentation même du centre en matière des centres en matière de consultation prénatale et de vaccination. Parce qu'on a procédé à une large sensibilisation. On a mis l'ASACO, l'Association de santé communautaire, à profit. Alors, pour sensibiliser la population, pour dire que vraiment, il y a ce système maintenant. Donc, on ne souhaite pas que les cartes se perdent ou bien les fiches opérationnelles se perdent, mais en réalité, il y a un système électronique maintenant qui permet de vous enregistrer. Voilà, on peut leur dire, par exemple, votre nom est déjà enregistré à l'ordinateur là-bas, donc, mais vous ne jetez pas les cartes. Au cas où il y a problème de perte de cartes, par exemple, vous venez et on retrouve toutes les informations que vous avez données au cours de votre première ou bien de vos visites précédentes. Il y avait des résultats chiffrés, mais je ne saurais les donner tout de suite. Il y a eu une augmentation, effectivement, de la promptitude et de la complétude des données, surtout avec la génération automatique des rapports. Nous avons constaté que vraiment la complétude et la promptitude se sont améliorées. Par exemple, à Sanankoroba, quand c'était, par exemple, la complétude était à 70%, on a vu que c'est venu jusqu'à près de 100% avec l'avènement du registre électronique. C'est juste un exemple. Sinon, on a buffé certaines diapos, sinon il y avait des résultats chiffrés, alors qu'ils montraient bel et bien les avantages du registre, des registres électroniques, vaccination et suivi de la grossesse. Il y a mes collègues qui sont là, s'ils ont des choses à ajouter à cette réponse. OK, merci beaucoup, Wassa. Je voulais juste rebondir sur deux points. Quand Yekoul a parlé des inconvénients, c'est très important. Et la gestion vraiment du registre électronique, c'est un peu difficile par endroit parce qu'il faut savoir que la valeur ajoutée, c'est la saisie en offline avec les tablettes. Et quand nous donnons des tablettes aux formations sanitaires, vous savez, le comportement de l'agent est très, très important pour, comment dirais-je, la bonne garde de ces tablettes. Et nous avons eu affaire avec beaucoup de cas où les femmes amènent les tablettes chez elles. Donc souvent, ils disent que l'enfant a brisé l'écran de la tablette ou bien la tablette est tombée, ainsi de suite. Donc tout le temps, il fallait renouveler les tablettes.
Au début, nous avons donné des tablettes par formation sanitaire et il y a certaines formations sanitaires qui ont reçu jusqu'à 4 tablettes après. Parce que tous les temps, il y a des soucis. Donc, quand ça ne va pas, c'est nous qui sommes sollicités, je vais dire les pays, pour essayer de restaurer ces tablettes-là. Et à chaque restauration, il faut télécharger les métadonnées et aussi faire souvent des mises à niveau aux agents qui vont faire la saisie. Parce qu'il faut savoir aussi que les agents qui ont été formés, à leur niveau, ils font aussi des orientations de proximité à leurs collègues pour que de temps en temps, ces collègues-là puissent les aider à faire les saisies. Donc, tout le temps, il fallait faire la mise à niveau de ces agents, ainsi de suite. Concernant la question importante, je vais le dire, toutes les questions, c'est important, mais il a dit quelle a été l'astuce pour la motivation des prestataires. C'est très important. Comme vous l'avez entendu, c'était en phase pilote. Et quand on a commencé les séances de formation, nous les avons dit que c'est le district concerné qui est le district pilote. Et les formations sanitaires, les agents qui arrivent à se détacher des autres en matière de bonnes pratiques, en matière de bonnes gardes de tablettes, en matière d'amélioration de la qualité des données, nous allons sélectionner à peu près 5 à 10 agents qui vont aider l'équipe nationale lors de la mise à échelle dans les autres régions, dans les autres districts. Donc, et ces agents-là seront des formateurs au niveau des districts. Donc, ça a été une source de motivation jusqu'à ce que tout l'État nous appelle quand est-ce que la mise à échelle va se faire ainsi de suite. Ça a été un premier point. Le deuxième point, avec les projets mesures, il y avait l'idée des diplômes universitaires en système d'information sanitaire de routine. Donc, on avait dit les agents qui arrivent à se détacher, peut-être les deux premiers auront des bourses pour participer à ces DU-là. Donc, du coup, ça a donné beaucoup d'affluence et les gens étaient vraiment intéressés. Jusqu'à présent, ils sont intéressés, mais comme on l'a dit, avec le temps, les agents changent et il faut essayer de suivre les changements. Donc, nous sommes dans ce processus-là. C'était les deux points que je voulais approfondir. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup, Ismaël. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Il en reste, mais je ne veux pas faire la clôture avant de donner la parole à Soro Do de la Côte d'Ivoire, parce que ça fait un bout de temps qu'il cherchait à parler. Et Soro, vous avez la parole. Il a levé sa main depuis longtemps. Merci, Soulman, et merci au présentateur qui nous a partager l'expérience du Mali. Je pense que c'est très, très intéressant. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on est désolé, on avait accepté l'invitation, mais depuis 2 semaines, on était hors connexion. Donc, c'est juste aujourd'hui qu'on a repris. Donc, on tenait à s'excuser. Si jamais ce qu'on dit, ça a été déjà pris en compte dans les jours précédents. Donc, au niveau du tracker, il faut dire que nous aussi, on utilise le tracker dans notre programme VIH. Sur tous les volets, en fait, que ce soit du dossier individuel jusqu'à la PTME. Mais on a tenté, comme je l'ai écrit dans le message, cette fois-ci, de mettre le rappel des rendez-vous automatiques. On a fait le paramétrage, on a même eu un prestataire pour faire le lien, mais on a ce défi là, de l'envoi des SMS vraiment automatique, parce qu'on veut maintenant que il ne faut pas qu'on appelle les patients pour leur dire « venez tel jour au centre de santé ». On voudrait que ça soit automatique, puisque dans le tracker, lorsque la patiente est passée dans le centre de santé, on a la possibilité de programmer son prochain rendez-vous. Donc, nous voudrions, à 3 jours comme ça, du prochain rendez-vous, que le message soit parti automatiquement à travers les SMS au patient pour lui rappeler. Donc, tout le paramétrage a été fait avec le prestataire, mais on est confronté à un défi. C'est-à-dire que si on a 200 patients, l'application n'envoie qu'à un patient. Et puis, le reste est bloqué. Donc, on voudrait savoir si, dans la plateforme ici, un pays a déjà paramétré le rappel automatique de ces rendez-vous-là pour partager cette expérience avec nous, qui reste où nous restons là, bloqués. Sur le système de SMS à notre niveau ici. Merci beaucoup. Okay. Allô, Soulman. Merci pour. Oui. Allô, Soulman. Je suis mon collaborateur. Qui toujours dans la même veine pour enchérir un peu ce que M. Soro a bien dit. Pour le prestataire SMS que nous avons pris, lorsque nous envoyons le API et que nous prononçons l'API simplement, et envoyant les messages à partir d'un navigateur,
le nombre de contacts sélectionnés reçoivent le SMS sans problème. Mais le problème vient au niveau du couplage de l'API et le DHS2. Par exemple, là, nous voulons savoir s'il y a un pays qui a déjà implémenté. Si oui, est-ce que ce pays-là peut nous partager son expérience? Merci, Souleymane. OK, merci. Je pense que ce que vous dites là est très intéressant. Et dans le cadre de la prise en charge du volet vaccination au Togo, il y a le volet SMS qui a été géré par un de nos développeurs. Donc, je pense que, je ne sais pas s'il est en ligne avec nous, mais même s'il est en ligne, comme déjà le truc est là, on peut continuer toujours les discussions approfondies sur Slack pour vous donner d'amples informations par rapport à ça. Sinon, concernant les rendez-vous pour les prochaines vaccinations, moi-même, personnellement, j'ai reçu des SMS dans mon téléphone pour dire que tu as fait ta première dose, donc la date du prochain rendez-vous, c'est ça, il faut aller. Donc maintenant, c'était ainsi de suite. Mais celui qui a géré ses volets, il est à ISPO ici. Donc je pense que on peut les contacter pour qu'ils puissent donner d'amples informations aussi sur les différentes possibilités par rapport à l'histoire des SMS dans les Slack. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci. Et je remercie vraiment tous les intervenants, l'équipe du Mali, Dr Ouassa avec tout son staff, la DGS, HP et puis ISPO Mali. Salutations à vous tous et puis merci à tous les participants d'avoir pris de votre temps pour rester avec nous dans cette aventure de l'Académie Tracker. Et nous continuons, nous sommes toujours là et nous resterons disponibles dans les Slack pour essayer de répondre aux questions, même s'il y a des questions qui ne sont pas directement posées ici tout de suite et que les gens vont poster dans les Slack, nous allons continuer à les prendre en compte. Vraiment, nous vous remercions et on va se dire au revoir et à demain pour la suite des activités. Merci. Mais Souleymane, on n'a pas eu le mot du jour. Le mot du jour a été donné. Soro n'était pas concentré en ce moment. Le mot du jour, s'il vous plaît. Mais parce que le mot du jour est déjà partagé. Le mot du jour, s'il vous plaît. Le mot du jour. C'est tracker quelque chose comme ça, quoi. Non, mais il y a quand même des perturbations de connexion internet. Je pense que ça ne gêne pas de rappeler. Tu as couché quoi? Docteur Samake. Docteur Samake. Oui, je vais monter. Je suis là-bas. C'est pas tracker. Non, pas solitaire. Docteur, on parle que tu es sur là-bas. Il faut montrer toute la chambre. Parce que quand tu es couché, tu ne fais rien. Soulé, on demande de l'urgence. Merci, bon, merci à tous. Voilà, merci. C'est vraiment un plaisir. Merci pour votre. Merci vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'accord, bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. L'homme fort, il est très très fort. Docteur Samake, on attend le tracker du Congo. On attend le tracker du Congo. Ok, il n'y a pas de souci. On aura besoin de toi. Avec Kaled, on aura besoin de toi. D'accord. On est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Voilà. À demain. Maintenant, on doit utiliser.
Non, je ne sais pas, je ne sais pas.